10 000 merci. Depuis le lancement de cette chaîne il y a 3 mois, vous êtes déjà plus de 10 000 à nous avoir apporté votre soutien en vous abonnant. C'est un immense plaisir de partager ces créations avec vous et d'avoir de tels retours bienveillants de votre part. Pour fêter cette étape importante de la vie de la chaîne, une entreprise française nous a fait confiance en nous permettant de vous faire gagner des cadeaux. En visionnant cette vidéo, vous aurez la possibilité de remporter l'un des 3 packs de 10 repas lyophilisés ainsi que des bons de réduction exceptionnels de 15% qui vous permettront de constituer ou de reconstituer votre stock. Il s'agit d'un bon plan qui a été rendu possible car nous avons décidé que la chaîne ne se rémunérerait pas sur les ventes. Alors profitez-en et encore merci à vous. Ce partenaire est Lyophilisé & Co, dont la boutique lyophilisé.fr propose toutes sortes de repas et d'équipements pour le bivouac et le stock alimentaire de survie. Mais au fait, connaissez-vous vraiment l'histoire et le processus de fabrication des aliments lyophilisés qui peuvent se conserver plusieurs dizaines d'années? La lyophilisation est une méthode de conservation très efficace. Le procédé est simple. Le produit est d'abord congelé, puis le vide est fait autour de lui. Intervient alors le processus de sublimation. Par un jeu de pression, l'eau contenue dans le produit passe de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. 95 à 99% de l'eau qu'il contient est ainsi extraite sans devoir faire bouillir le produit, lui permettant de garder toutes ses propriétés. En plus de ce dernier point, la lyophilisation présente de nombreux avantages comme le fait de réduire les dimensions et le poids du produit, de lui conférer une très longue conservation, même à température ambiante, et enfin d'éliminer les micro-organismes et les bactéries qui nécessitent de l'eau pour survivre. Le procédé a été inventé en 1906 par les Français Arsène d'Arsonval et Bordas au laboratoire de biophysique du Collège de France à Paris. La lyophilisation moderne a réellement pris son essor pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements cherchaient des moyens de préserver le sang et le plasma pour les transfusions sanguines sur le champ de bataille. Le docteur Karl Paul Link et son équipe ont mis au point une méthode de lyophilisation du plasma qui a révolutionné la médecine d'urgence. Après la guerre, elle a commencé à être utilisée dans d'autres domaines, comme la conservation des aliments et la production de médicaments. La NASA a également adopté cette technique pour l'alimentation des astronautes lors des missions spatiales. Bien qu'énergivore, la technologie de lyophilisation a continué de s'améliorer avec des équipements plus efficaces et des techniques plus précises. Aujourd'hui, la lyophilisation est utilisée dans une grande variété de secteurs, de l'industrie alimentaire à la biotechnologie, en passant par la conservation du patrimoine culturel, notamment pour protéger les livres anciens. Notre partenaire lyophilisé.fr propose de nombreux plats lyophilisés dans sa boutique en ligne, à emporter partout ou à stocker pour des décennies. Cette entreprise créée en 2010 et bien implantée localement, vous ouvre ses portes à l'Orient, dans le Morbihan. Créée à l'origine pour les navigateurs qui partaient faire des courses autour du monde, lyophilisé.fr est aujourd'hui le leader en Europe de la distribution de repas outdoor. Le site propose également du matériel de bivouac et de survie. À partir de la publication de cette vidéo et durant 7 jours, profitez de 15% de réduction sur tout le site, hors promotion, en utilisant le code BREF10K. Pour tenter de gagner l'un des 3 packs de 10 repas lyophilisés, c'est très simple, il suffit de répondre à cette question. Dans quelle ville est située l'entreprise Lyophilisé & Co? Envoyez votre réponse en utilisant le formulaire dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Le tirage au sort aura lieu à la fin de l'opération dans 7 jours. Les 3 gagnants seront contactés directement par email et le résultat sera publié dans l'onglet « Communauté de la chaîne ». Bonne chance à toutes et à tous et encore, merci pour votre soutien. Bref, l'effondrement.